Myriam est avec nous. Allez, allez, nouvelle. Alors Myriam, merci d'être là. Ça va bien. Alors c'est votre première aujourd'hui. On va rappeler qui vous êtes. On a fait votre connaissance dans C'est mon show. Vous avez fait une sortie qui est restée culte. D'ailleurs, et même maintenant, il y a eu des t-shirts, il y a eu des sonneries de téléphone. On va regarder l'extrait. C'est parti. Kelly, envoie-moi l'extrait. Non, c'est pas toi. Je vous jure que je ne peux pas. C'est... Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est vrai que ça, c'était... C'était quoi votre phobie? J'avais des cafards. Des quoi? La phobie des cafards. Des cafards, ah ouais. Mais c'est une vraie phobie, quoi. C'est pas juste une peur. C'est j'ai pété un câble. Ouais. Quoi, vraiment? Je regarde même pas Oji et les cafards, alors. Oji et les cafards. Vous regardez pas Oji et les cafards. Non mais attendez, quoi, c'est vrai, non mais il y a Oji et les cafards, donc non mais vraiment, pourquoi vous aviez des cafards à la maison? Non, j'avais pas de cafards, mais enfin, quand tu grandis un petit peu au bled, le Maroc, oui. Tu rencontres souvent des cafards. D'accord, vous dites ça pour moi? Non. Ça me va pas. Non, mais c'est vrai. Et donc, mais ouais, oui, c'est une vraie phobie. Donc, du coup, j'étais parlé de ça. D'accord. Et vous ont amené des cafards sur le plateau ou pas? Oui. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah oui, bien sûr. Tu connais vachement l'histoire. J'ai l'impression que j'étais là. Merci. Calmez-vous quand même. Merci. Je sais t'aider. T'es tunisienne aussi? T'es tunisienne aussi? Non, pas du tout. Vous êtes de quelle origine? Mon père est russe et ma mère est marocaine. Ah, d'accord. Ah ouais, donc entre Moscou et Ouarzazate. On mange des macroudes en buvant de la vodka, quoi. Alors, tu mets de vodka macroude, c'est parti. Non mais c'est bon, pas genre, c'était pas prévu, tu vois. Ah mais c'est ce quelque chose à dire, non? Oui. Ah non, rien du tout. Moi, quand les gens, quand j'en invite 20, je suis contente de voir ceux qui arrivent en premier, en deuxième, en troisième. T'entends pas la sonnette? Elle s'est sentie un peu vidée. Bah, tu vois, il n'y a pas de sonnette chez moi. Non, ah ouais. Et voilà, bim, dans ta gueule. Elle démarre très fort. Chez elle. Chez elle, c'est un saloon. Il y a des mecs, il y a des portes. Salut, qu'est-ce qui se passe? On peut grailler ici. Hein? Bravo, c'est bien. Myriam, Laurent Roquier, vous avez quel âge, Myriam? 24 ans. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un animateur que vous... Oui, bien sûr, ça me parle. Vous connaissez, oui. Tout le monde le connaît, bien sûr. Oui, c'est comme Napoléon. Mais on va rester sur des vannes merdiques comme ça pendant tout le long. Alors allez-y, dites notre... Bienvenue dans Réo. Eh, c'est pas Evelyne Thomas, là, tu te crois, ma chérie? Chérie 25, ici, il y a des gens qui regardent, hein, tu le sais, ça. Oh, non, mais... Excusez-moi, il a tout Oui, allez, donnez votre avis, allez, on va pas faire ça.